Monsieur le représentant du parrain, monsieur ou madame la représentante de la marraine, chers partenaires du festival, chers invités venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, chers invités ici présents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout protocole observé et toute structure confondue, bonsoir. Soyez les bienvenus dans la cité verte du Kénédougou pour prendre part à la cérémonie d'ouverture du FESTIC, Festival International du Kénédougou. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Sikasso, mesdames et messieurs, distingués invités, la culture, dit-on, est ce qui reste lorsqu'un peuple a tout perdu. Cette assertion montre à suffisance l'importance de la culture dans la vie d'une nation. Et notre pays, le Mali, en proie aujourd'hui à plusieurs défis, doit justement s'appuyer sur sa culture pour faire face à ces défis qui ont pour nom l'insécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, j'en oublie volontiers. Et le Festival international du Kénédougou, FESTIC, qui va s'ouvrir dans quelques instants et c'est pour 4 jours, se veut un espace d'interconnexion et de brassage entre communautés du Mali et celles du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, en vue bien sûr de la promotion et de la valorisation du tourisme domestique et de la diversité culturelle. D'où le choix d'ailleurs du thème de cette 5e édition, la diversité culturelle, vecteur de rapprochement et de l'intégration des peuples et des communautés. C'est le lieu de remercier chaleureusement les autorités administratives et politiques, le parrain et la marraine de cette édition, à savoir Dr Fousseynou Ouattara, qui est membre du CNT, et Mme Fatoumata Batoulignan, présidente du mouvement Ambico. Merci également à tous et à chacun de nous honorer de par votre présence qui témoigne sans nul doute de l'intérêt que vous accordez à la culture. Mais des voix plus autorisées que moi prendront la parole au cours de cette cérémonie pour vous souhaiter la bienvenue. Ceci dit, voici à présent quel sera le programme de cette cérémonie d'ouverture. Vous aurez en premier lieu droit à l'hymne du festival comme pour donner le ton et planter les décors de cette cérémonie, suivi d'une série d'allocutions dont le ton sera donné par le récotrade, suivi du président du FESTIC, les mots du représentant du parrain et le porte-parole de la délégation venue du Burkina, et enfin le discours d'ouverture qui sera prononcé par le représentant du gouverneur de la région de Sikasso. Après quoi, vous aurez droit à des intermèdes des groupes de bouffons et des yabara, et la visite des stands mettra fin à cette cérémonie d'ouverture du FESTIC 5e édition. Ceci dit, sans autre forme de protocole, avec votre permission, nous allons donner donc la parole au récotrade pour souhaiter la bienvenue à ce public. Benoula. Damakuru Tiana Moussoua Beredili Anoula. Fogo Fessin Sirakene Kanya Oberedili Anoula. Ambe Furidi Angadugu Sigibagoma. Noye Aywa Anga Blunda Nani Mugo. Tarawela, Jamutinela, Beritela, Anga Fodebi, Aberedele, Anissa Nogola, Kafuidi, Naba Kilingrina Beredelema, Bi, Dome Dundumayenga Bi, Burufabi Bitaka Doni, Kada Jumenga, Anga Sekoni Dongo, Jamakuru Salman Yunu, Munus. Ye hakila faranyonga anga farafina ere taburu tuku nyumana ubina kana oku na fuli di amwa bi kuna fuli jumendo anga dame koro ananga taburu koro ana aywa anga adabadi ya taburu koro fildo tuku hali kuma tuku bala ukumana ubina kana oli lase amwa bi mari Burkina Côte d'Ivoire, on le fera nyonga, katéke dinyoma, kadié, kake kulukilenye, kabala kringe, nganyakile, kabulukile. Donc, on est en ce qui est bi. Okumana, ambe gouverneur, on a jama pera jelefo.
Nyamo fengo fembia anga furiba beradele ile kotaradi tola Aminata Piati madame Traoulé ale tola ka beradele fo ka bisibila aw bola kaso aw narakaso ande korofo njanya amina bok manaya ka kuma di kuma tiguba inshallah aw bisibila anamiku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au reporter qui vient donc à l'instant de souhaiter la bienvenue aux invités. Je m'en vais à présent inviter le président du FESTIC, Festival Interculturel du Kénédougou, à bien vouloir prendre la parole pour son mot. Jama ni wula. Jama aw ni wula. Ma me kosobe. Jama ani wula. Koraduga ube awa aw ni wula. Koraduga aw ni su. Nga foli be aw bela jele ni. Aw bora jamana famo fan kasia. Sikasso région Mali konana Burkina Faso konana Côte d'Ivoire konana mo moye asembo akonokoro kasiano nga foli be au bela jeleni amba foko aka au bismillah festival interculturel de Kénédougou 5e édition Kenegan. Me aketo nyini ke gouverneur ka representant fe me dakunya damadoni fo bamanakana. Na fora festival ñanaje do ñanaje sugu jumendo ñanaje sebelamado o ñanaje sebelamay akeku ndeye anga seko na anga donko komunumbe no ka ulabo ukaye don jien fe jien kaye ka don ka foko ja fendo kumbe anfeya ya fanyini kelen ko fere ko tradima ibaye ka fo anfeya na fora festival. Bebeta artiste moderne nous fait encore en tant que artiste locaux yé sabula ulu de kera sababuye ni mali kera mali aywa niya me bamanankana ko so don o jiri don o yere don ne yoronte donc o yere don sira de kan o de ato on be wele bla sanga ni wati be anga tugoda foli kala uma anga tugoda seko ni donko mroma. Au Canada, un festival qui est en fait. Depuis le 21, Nicolas Kilem, Wan Kilem, Tenant Mene, un festival qui est en train de se faire, Amola, ni Oye Pare, Fadoui, Antara et Dutri en Bounia Kosovo, Aywa, Yenkao Bella Jele en Bounia, donc Agne, Nyanaje Bakayeno, Kaira Kafo, festival qui est en train de se faire, donc Kaoira Jamala. Donc, Bi, Oye, ouverture officielle, un Fama ou bien non. Donc nimuye ka festival korofo bamanakana ewa beka afamuya. Mesdames et messieurs, en vos qualités grades et rangs, nous vous souhaitons la bienvenue donc à la 5e édition du festival interculturel de Kénédougou. Mesdames et messieurs, chers invités, cette 5e édition a pour thème la diversité culturelle, vecteur de rapprochement des peuples et des communautés. Alors, cette 5e édition, à partir de cet instant, va s'intéresser aux objectifs de l'espace Escabeau. Quand on dit espace Escabeau, c'est un accord tripartite qui a été signé entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ici, au Mali, ça concerne la région de Sikasso. Au Burkina Faso, ça concerne la région des Hauts Bassins, qui est Bobo-Dioulasso, la région des Cascades, qui est Banfora, et en Côte d'Ivoire, la région du Poro, qui est Korogo, la région de Tchologo, qui est Ferkesedougou, la région du Folon, qui est Bundiali, et la région de la Bagoué, qui est Wodjene. Donc, ce
festival va amener ce qu'on appelle les échanges interculturels entre ce qu'on appelle les peuples de ces différentes communautés citées. Donc, c'est pourquoi nous avons démarché les autorités du Burkina Faso, nous avons démarché les autorités de la Côte d'Ivoire pour montrer que les frontières qui sont érigées ici ne sont que des traits qui sont là, mais il y a des relations, il y a des échanges économiques, socioculturels et artistiques entre les communautés qui vivent dans ces espaces cités. Alors, mesdames et messieurs, je souhaite que ce festival-là puisse être un festival qui va délocaliser certaines de ses activités au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et partant de cela, je remercie également les autorités de Sikasso qui n'ont aménagé aucun effort pour le soutien de ce festival. Je remercie les autorités de Burkina Faso, je remercie les autorités de la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques qui nous ont soutenus, les structures culturelles qui nous ont soutenus, les différents festivals, les promoteurs sont là. Je les remercie tous et vive la 5e édition du festival interculturel du Kénédougou. Bienvenue et bonne festivité aux festivaliers. Merci. Thank you.
amitié. Anjugu bodaw ala ko befnu ala ka jugu bodaw funu gadi malinya mo fe jamna ala kana ja ala te nalmaye ala ala tawo ne kan bo ka fitimi ye o kana boyoma. École de santé professeur Okobara Dumbo. Nous avons les conseils régionaux du Koro, des Hauts Bassins et de Sikasso, la station régionale de l'ORTM et le Bureau malien des droits d'auteur, l'association Kénédougou originelle, la Jeune Chambre internationale Sikasso, l'antenne régionale de la Nazaire, la compagnie Sogolon, Bacaridian Conception et Zier Conception Multiservice. Voilà en gros les partenaires qui ont bien voulu associer leur image à ce festival. Je vous prie de bien vouloir les ovationner. Invitons à présent, nous le disons tantôt, ce festival est un festival interculturel et le thème de cette cinquième édition qui est la diversité culturelle a fait en sorte que nous avons avec nous la communauté du Burkina Faso et celle de la Côte d'Ivoire. Je vais inviter le représentant de la délégation du Burkina Faso pour son mot. Bonsoir tout le monde. Au nom de l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, à son nom propre, et à mon nom propre aussi, le délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de la région de Sikasso, accompagné du président de la communauté burkinabé résidant ici à Sikasso, au nom de Tapsoba Francis, nous souhaitons la bienvenue aux festivaliers ici présents. Cette occasion qui nous donne l'honneur, nous, Burkinabés résidents ici à Sikasso, de parler au nom de notre ambassadeur, on ne pourrait que vous remercier. Et en somme, la culture, facteur de rapprochement des peuples, surtout de l'intégration, facteur de paix et de solidarité, nous sommes conscients de la situation aujourd'hui qui prévaut aussi ici entre le Burkina Faso et le Mali. Et cette activité soit pour nous aujourd'hui facteur de paix et que ça donne la paix entre les différentes communautés vivant ici au Burkina Faso comme au Mali. Donc sur ce, on va saluer et remercier les différents organisateurs de cette activité et nous souhaitons bon vent et que pour l'année prochaine nous trouvons tous en bonne santé. Et vive la culture et vive la communauté burkinabé, malien et ivoirien. Je vous remercie. Ambe Mali kafonye mwa ufo amba de unu nana kabo brigona alikorwar ku bela jeni fo kasikazo gouverneur fo ana chaka nyiko demisenu ye anwele angana okanyana je dale ka juma ne artiside ne ka droit d'intervenir bulu onga bara e ka ziri da mali kono ka daja manako ka ziri me munya folo. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire.
ne ka ziru be RTM na suis nani ala sona mena zili da malion ya anato tariki kono foga dien wili malina somala farfina somala ziri dena da mali damai au sona wa au sona wa ziri mena boli munga se wuda keta ko konye nguya nana chukodi kalifa nana chukodi kalifa bitien chukodi ni vous êtes choroba doué choroba ni michou ba bolo na fole suku be ba bolo aka jamana deu abu lampo sara na ngoni soko abi furuke ka di jamana deu ma michou gacha me ala ma wolo je choroba na denje klem pe de soro choroba ni asina na doya arenyana ako denje ma ko ngolo sini bita foko la trois minga boni trois bela jene kata trois kere mine ka jigi nyini yere la kamele ni mishi mine atara flow ni gon fara nyokon ka ko mishi ji fa na na nyini ko jigi soro wa ako jigi soro bo ako joni do ko gon ni flow ni goba ni flow ako e wo se ake ma jigi wa ako bo ni mene jigi bo ambi joya ambi malde unfo Ilala, 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 ilala,
Monsieur le préfet du CERN de Sikasso, nous sommes représentants. Monsieur le président du conseil régional de Sikasso, nous sommes représentants. Monsieur le président du conseil de CERN de Sikasso, nous sommes représentants. Monsieur le maire de la commune urbaine de Sikasso, monsieur le directeur régional de la culture, monsieur le directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie, monsieur le directeur de l'artisanat, mesdames, messieurs les directeurs et chefs des services régionaux, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, monsieur le président de la commission d'organisation du festival interculturel du Kénédougou, monsieur et messieurs les festivaliers, singulièrement ceux venus des pays amis et voisins, chers invités en vos rangs, grades et qualités du protocole observé. La région de Sikasso et à travers la cité verte du Kénédougou parle en voix au nom du gouverneur de la région de Sikasso à l'insigne honneur d'abriter la présente cérémonie d'ouverture solennelle de la 5e édition du Festival interculturel du Kénédougou. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à vous, à nos hôtes, venus pour la circonstance sur ces sites historiques et emblématiques de la cité verte du Kénédougou, la colline du Mamelon. Mesdames, messieurs, chers participants, l'organisation du Festival interculturel du Kénédougou à Sikasso, berceau du grand royaume de Kénédougou, est un signal fort qui marque l'attachement des organisateurs à leur gisement artistique et culturel, gage de la réaffirmation de l'identité, puissant sous la même autorité étatique une grande partie de notre Mali actuel. Nul besoin de vous rappeler le nom des héros, des figures emblématiques qui ont marqué d'un sceau indélébile le destin singulier du royaume Kénédougou. Messieurs, chers participants, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, la 5e édition du Festival interculturel de Kénédougou, revêt une importance capitale. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir s'inscrit dans une triple perspective. La première consiste à faire une rétrospective, une introspection et à jeter un regard sur notre glorieux passé. La deuxième vise à imaginer les meilleures stratégies de préservation culturelle, de préservation, de la valorisation et de la promotion du patrimoine culturel de l'espace triangulaire des trois poumons d'un même corps. J'ai dit Sikasso, Kourougou et Bobo Dioulasso à travers la réhabilitation de nos codes de conduite, de savoir-vivre et de savoir-faire. Et enfin, la troisième consiste à donner une place de choix aux chefs coutumiers, aux sages et aux gardiens de nos immenses savoirs traditionnels d'humanité et d'humanisme autour desquels notre nation s'est bâtie. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, comme vous le savez, aujourd'hui avec la mondialisation et la rencontre des cultures qui a provoqué un choc de civilisation, le patrimoine culturel de cet espace communautaire est en perte de référence. Ce riche patrimoine s'est altéré dans sa pureté. Les traits qui les caractérisent sont en voie de disparition, laissant un vide et conduisant inéluctablement à une perte des valeurs sociétales qui ont toujours magnifié l'ère culturelle du Kénédougou. L'organisation du présent festival est une réponse à cette menace qui plane sur la culture de nos communautés comme l'épaule de Damoclès pour revitaliser, célébrer et promouvoir cette culture dans toute sa splendeur et sa grandeur. Ce festival, j'en suis sûr, demeure un espace d'expression de cette diversité culturelle, mais également et surtout celle des autres communautés ayant contribué à la fondation, à la consolidation et au rayonnement du Kénédougou. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cité verte du Kénédougou a une belle histoire. Sikasso regorge d'immenses ressorts culturels et touristiques qu'il faut sauvegarder, protéger, valoriser et promouvoir. Ce pari, nous le gagnerons
par l'implication de chaque partie prenante, les élus, les détenteurs des savoirs, les communautés, les États, mais aussi surtout les populations locales. Aujourd'hui, il y a une nécessité de faire connaître davantage ces patrimoines par des actions de sensibilisation, d'information, de formation et par l'organisation des activités artistiques et culturelles autour de notre patrimoine culturel. Ces actions seront un facteur de développement local, d'éducation des jeunes générations, de dialogue social et de renforcement de la cohésion au sein de nos laborieuses populations. À cet effet, j'invite l'ensemble des acteurs de cette initiative à œuvrer davantage à la vulgarisation des expressions culturelles et à plus de promotion de l'héritage culturel, matériel et immatériel de la région de Sikasso. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers festivaliers, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes salutations et mes vifs remerciements aux autorités administratives, politiques, légitimes, traditionnelles et coutumières. Nos remerciements vont également à l'endroit des organisateurs ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour la qualité de l'organisation et la réussite de cette 5e édition. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvertes les festivités de la 5e édition du Festival interculturel de Kénédougou. Vivement la 16e édition, Inch'Allah. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Festival Kénéka, on est festival culturel du Kénédougou Kénéka. On est à Langar Tétouye, pour que Mondial Couture, Centre Dounia, on est fini mon clan, on est fini mon cala, on est aux promotions des cas. On a barré la dafino, on a la dafé, on fait la valeur la chocomina. Kata la damina, on a canassa finouma, kata sauraula, canassé bamuruma, canassé foulauma. Les articles, fait mes secs à frafina, c'est bon, on le barra, on est au Kénédéka. Donc, Akana Laje, c'est Mondial Gallery, Centre Dounia, Angabara Benoum. Le bibliomanium des droits d'auteur, l'association Félicité Originaire, la Société Internationale de Sikasso, la chaîne régionale de la Lumière, la compagnie Solomon, Matériel de Conception, et l'usine Conception de l'Université. Et voilà, j'espère trouver donc un terme final à cette cérémonie de notre public festif. Et pour matérialiser tout cela, nous vous invitons les autorités à bien nous faire envoyer pour la visite d'État. Thank you.
Les articles, c'est un peu plus de